Ils attardaient autour de beaucoup de choses, simplement parce que le Yébi, les membres traversent un moment dur avec la COVID-19, alors les autorités, malheureusement, la décision, la plaisir, barrière, la restriction sur l'heure. Donc on s'attardait, Mingité, donc. Et dans la dimension de Rosala, prise de possession et espace, donc on compte sur ma barrière, donc on dit qu'on aura haut dans ma boue pantambe. Ensuite, pour représenter Mino, donc les maris ainsi que sa chère épouse, nous allons très brièvement vous présenter Pomoye Babango d'une manière qui se présente. Ensuite, pour vous préparer table à la bisson, nous allons inviter Maman Trésor, qui est la chère marraine. Elle va dire un mot de prière. Ici devant, celui qui a réussi, celui qui a conclu, a vaincu les principes, les caprices de la chère épouse Grâce, de son vrai nom, il s'appelle Pandou Odou Brian. Pour mettre le lien à mon Makassi, pour la haut et à Sali, mon bail les amis pour laquelle on a pris sa vie sur Oyo Zali. Les amis ont construit une vie Nayo, ont dessiné à venir Nayo. C'est ce qu'il a fait ce soir, voilà pourquoi j'ai mérité le coup. Mais qui est M. Pandou Brian? M. Pandou Brian est fils de papa Pandou René, qui n'est pas avec nous ici, malheureusement, il est en France, à Paris, là où il nous suit. Tout petit, merci pour aborder la vision mobile qui t'a maillé, le mobile déterminé. Voilà pourquoi tout ça va aller à moi. Maillé, c'est surtout Mingi. Alors, également, il est fils de papa Pandou et de maman Lubondo Denise. Maman n'est plus avec nous. Et c'est Atikabiso, moi, Nicolo Mingi, moi, Bamboula Mingi. Alors, pour rendre hommage à cette femme de distinction, non seulement à Botaki, mais à Sala qui ensemble qui est destin à moi, Naïs à la malade, nous allons nous lever et observer une petite minute de silence. À l'honneur de la mémoire de notre maman. Ami Pandou, Mazaliawa. Je risquerais de dire et des arrière-grands-parents. Il est vraiment sérieusement congolais, mais il ne réside pas avec nous ici. Il est résident en France, à Paris, là où il vit. Mais ce que vous voyez, il évolue beaucoup plus dans les entrepreneuriats. Il aime bien entreprendre. Et lui, il est dans les domaines des standarding internationaux. Tout ce qui a travers les réchauffements climatiques, conservation de la nature et tout ce qui va avec, lui, il entreprend dans ces secteurs-là. Il entreprend en France, en RDC et dans divers pays du monde. Aux Alibongo, une grande distinction, une fierté également pour la jeunesse congolaise, la diaspora Nabisso.
Voilà pourquoi Nangonga, c'est à la diaspora congolaise au bazar de la Bisso. Nous sommes fiers dans le profil de Yaboye. Nous n'avons pas besoin d'une diaspora, car pour Bazo la Xamabe, mais Bisso Tosito la Xabe Batoua Malamo. Batoua Bavandiawa, Bazali Batoua Diaspora. D'une députée française, je cite comme ça Madame Marie-Pierre Rixin, qui est élue, actuellement elle est députée, et le monsieur a travaillé comme son directeur des promotions marketing, et je dirais comme ça, et des campagnes. Je vais te dire ma boko, on a la distinction. On va l'idée pour lui. On va l'idée profil. On va l'idée maillé. Et je pense que moi, Sayo, elle est très fière de décrocher la trophée à moi. C'est une fierté. Voilà, le messieurs. Voilà. Voici Alibala. Voici Alibala. Je vais te dire ma boko, s'il vous plaît. Ma maman, est-ce que la Zaliawa? Est-ce que ma maman peut faire un sort? Elle est venue de sortir. Voilà, ton petit maman pour la place, s'il vous plaît. Voilà. La dame que vous voyez ici, pas plus tard que quelques jours ici, on l'appelait demoiselle. Mais dorénavant, apprenez à l'appeler Madame Pandou. Parce qu'elle appartient à un monsieur. Désormais, grâce à Témo dorénavant a promis à nager. Et son vrai nom, elle s'appelle Témo Mopondo Grâce. Les intimes l'appellent passeport rouge de Queen avec beaucoup de sobriquets autour. Mais dorénavant, ton nom est Maradona, ton nom est passeport rouge. Dans le monde de Queen, je vous demande Madame Pandou. Madame Pandou, ça te va à merveille, madame. Voilà. Et c'est mon ami, je suis allé à non. Cette dame que vous voyez, elle a su gérer son nom, avancer avec lui, jusqu'à ce que Topo m'en a niveau Oyo. Grâce à Témo, elle est originaire de. Bon, je dirais province de l'Équateur, bien que les locaux m'ont enseigné. Gazali, mon mal à l'Équateur, donc à la maman du Sala, mais Gazali, mon mal à l'Équateur. Mais mon mal à l'Équateur, Gazali, mon mal à l'Équateur. Est-ce que ma mal à l'Azara? Non, il paraît que ma mal à l'Azara, que ma mal à manifestez-vous! Manifestez-vous, manifestez-vous! Papa, je pense que maman Zaniawa. Je pense que maman Zaniawa. Non, moi, je dis maman. Maman, ça tout le monde. Maman, ça tout le monde. Voilà. Maman, ma pomme, on est au bain. Tiens, maman, ma pomme. Voyez, monsieur, ça ressemble. Voyez, comment maman ressemble à sa fille. Voyez, cette maman, comment elle est joyeuse. Oh,
Sapo, c'est une fille simple. Bonjour, Sapo. La lumière est illustrée à l'heure de l'homme au Moko. Ce bon Dieu pourrait rappeler. On t'a pas salué. Madame, vous parlez aussi comme ça. Parce que pourrait rappeler ça la prospérité. Mais ce bon Dieu pourrait en moi. Par contre, elle est salue. Par contre, elle est au Soto. À vous, ma femme. Voilà pourquoi vous avez une histoire. Ça pourrait préférer ça. Parce que ainsi, ton papa a géré dans la salle de l'église. Pour les pères, on va vous faire. Vous souhaitez que joyeux anniversaire à grâce pour vous. Pour avoir ça dans le 15 novembre. Voilà. Quel a été le détail prévu pour présenter ce soir?